Non, l'autre fois, gros bonjour, bonsoir à tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Bombad Media là, là depuis Bombad Police. C'est un plaisir pour nous entrer la caillou encore avec une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéresser, pas oublier abonner avec Bombad Media Now et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Bombad Media Now là. Et bien, nous pas perdre de temps, n'a pas commencé. Cool, yeah. Je dis, mon pas identifié, mettez du feu dans deux machines qui ont plaque service d'État qui étaient stationnées dans la cour divin hôtel dans la nuit de 2 pour mercredi 3 février 2021 au divin hôtel. Ses propriétés Blondo Audivin qui c'est actuel directeur départemental ministère travaux publics transport et communication la Tibonite. De machine ça yo c'est un camion citerne qui est complètement incendié à ton Nissan Patrol qui gagne seulement caoutchouc arrière yo qui brûlé. Dans une conférence pour la presse matin mercredi directeur départemental MTPTC la Tibonite là ingénieur Blondo Audivin dénoncé attaque ça, il dit qu'il était visé lui personnellement. Il fait qu'on est bien avant attaque là, c'est gen moun nan opposition politique là, nan go naïve qui était connu menacer lui. N'a fait qu'on est du feu ça qui incendie machinio pas affecté bâtiment qui logeait hôtel là. Cependant, moun constaté plusieurs impacts balles qui soumis façade hôtel là. Faut que nous dit pendant la nuit là, moun t'attendait en pile cartouche qui t'a chanté dans plusieurs zones cité indépendance là. Coup de Zamio qui te continue à chanter jusqu'à matin mercredi en la cause activité yo pour une troisième journée yon après l'autre paralysé dans centre-ville Gonaïve après deux journées grève générale collectif syndicat transport yo qui organisé dans date 1er à 2 février passé à pour journée mercredi 3 février à marché communal Gonaïve là pas fonctionné magasin market et boutique dans centre-ville là tout comme banque commerciale yo bureau l'état yo avec l'école toujours été à porte fermée. Exalus Mer Jeuna Gonaïve, Télévision Nationale d'Haïti. Ça n'a demandé, c'est libérer directeur Temezi Pierre, Emmanuel Temezi. C'est ça n'a demandé. Nous-mêmes oui. Employés, nous nous motivons aujourd'hui pour libérer Temezi pour nous. C'est mon tout le monde, yo kidnappé lui, bon la Kali. Ça n'a pas demandé pour libérer employé pour nous. Rapide, pressé, pressé, pressé. C'est avec un pile émotion, colère, employé bureau régional Onayo, dans Port-de-Paix, recevoir nouvelle kidnapping Aya Maudia, collègue travailleur Emmanuel Termizi, qui est affecté dans le bureau central d'Elma Onayo, d'après Romel José, qui est président, comité syndical dans le bureau régional Onayo, Port-de-Paix, qui demande délibération sans condition, collègue, pendant qu'il a annoncé un arrêt de travail jusqu'à ce qu'il joue une satisfaction. Maître Romel José. Nous avons après deux journées de grève, et grève a levé à 5h hier, à 5h de l'après-midi. Une fois que grève a levé à 5h, même nous kidnappons pour le visage. Et nous-mêmes, dans le bureau de l'EA, nous campions le travail jusqu'à nouvel ordre, nous demandons l'autorité pour la responsabilité pour permettre que nous jouions nos collègues de l'EA, c'est une source et pour pas nous foutre qui paye. Plus loin, responsable comité régional syndicat ONA, pas caché inquiétude li devant phénomène kidnapping nan, nan pays a qui pas épargné personne, quel que soit rang social à niveau économique li. Dans ce sens, Maître Romel José adressé à l'autorité compétente yo. Chaque grand citoyen dans le pays a nous menacé de la kidnapping d'avage. Le monde qui est responsable pour chaque grand citoyen. Et ceux qui sont dans le pays a pour assumer responsabilité pour permettre que vous preniez le phénomène ça. Tout employé ONA dans le bureau régional pour le PA est rentré dans la caillou bien bonnet matin mercredi 3 février pour tant avec empressement libération collégiaux. Depuis Cité Capo la mort pour le père, mort Eddie Oussam, antenne télévision d'État. Nous faisons un arrêt de travail aujourd'hui. C'est parce que nous apprenons que nous arrivé kidnappé et frère nous. Collègue de travail, nous, ancien directeur de Saint-Marc, il s'était résis. Et nous-mêmes, pour porter solidarité à camarades nous, à frères nous, aujourd'hui même, nous faisons arrêt de travail pour aujourd'hui, pour que nous prouvions et que nous, en solidarité ensemble avec frères nous, camarades nous, Termezi, qui n'ont même pas vu ça dans le moment où on a parlé. On a toujours vu dans le bureau, on a vu le travail, mais nous ne pouvons pas. Aucun service tout autant que nous ne pas offrir la population. Aucun service tout autant que nous ne pas apprendre à libérer M. Termezi qui est directeur nous, frère nous, camarades nous.
Plusieurs dizaines d'employés Office National Assurance Vieillesse ONA organisé yon sit-in devant local institution ça 3 février 2021. Mouvement ça fait nan objectif pour yon mande libérer Termezi Emmanuel employé ONA nan Port-au-Prince yon kidnappé. Protestataires yon promet pour yon kembe mouvement jusqu'à ce que libéré otage yon. N'a fait qu'on est, sit-in ça employé ONA yon réalisé 3 février 2021 te paralysé circulation automobile là dans centre-ville là pour un petit bout de temps. Agent PNH NIP te sécurisé mouvement ça qui finit sans incident. Natacha Jean-Jacques, Vénéra Gouane pour Télévision Nationale d'Haïti. Mais paquet machine devant business là, deuxième bureau transfert. Et moi, j'ai un messager à autorisation pour que il ouvre la porte là pour lui descendre la machine. C'est après le messager à finir l'ouvre la porte là, pour aller descendre. À notre grand étonnement, nous remarquons une machine, une Nissan Patrol blanc, à toute vitesse qui finit qui croise devant. Immédiatement après, quatre individus, vêtu de uniforme la police, encadré par la figure du tout. Armé, de descendre, de tout braquer sur la machine. C'est alors que nous 10 messagers remontent la machine là et ferme les portes là. Lui de panique, monsieur pour lui de monter, de fermer les portes là. Et nous-mêmes, la machine là, nous chitons à peine à observer. Nous essayons de comprendre qui ça a passé. Malheureusement, il n'y a pas même de bon temps pour nous réfléchir pour nous voir dans quelle situation nous sommes. Tout de suite après, nous avons fait deux cartouches. On dit, ah non, là-bas, là, non. Ah non, faut un genre pour nous déplacer. Alors, comme disons que tout ça passé dans moins que une minute. Nous déraper pour que nous soyons capables de vider les lieux. Et tout pendant la machine a appelé, les lieux a tiré sur la machine. Maintenant, tentative pour que nous soyons capables d'évacuer, nous avons essayé de virer dans le bisonton 53. Malheureusement, pendant que nous avons essayé de virer dans le bisonton 53, nous avons frappé une moto qui était stationnée dans le coin. Ce qui évidemment devine créer une panique car les chauffeurs moto, nous connaissons que messieurs ça est extrêmement solidaire entre eux. Et si il faut essayer de faire une solidarité, ça me c'est qu'il y a des capables plus loin. Mais les gens extrêmement solidaire entre eux, ils ont fini des machines avec une agressivité, avec une détermination. Mais nous-mêmes, nous tapons. Continuer pour nous quitter zone. Bisonton 53 n'a pas demandé pour nous aller dans la direction Saint-Roch. Lorsque nous étions sur la route là, pour le téléphone, je me dis Fernand, annuler le papy pour nous capables de former. Le ça, annuler le papa, nous nous informer de la situation, de ce qui se passe. Et nous conseillons pour nous aller immédiatement dans le commissariat qui est plus proche nous. Nous disons qui côté nous et le commissariat qui était plus proche là, c'était le commissariat Carrefour, Omega. Faut que nous disions pendant tout le temps, nous avons des motos extrêmement agressifs qui ont suivi nous. Pendant que nous-mêmes nous avons essayé de faire route pour que nous descendions pour nous aller dans le commissariat. Malheureusement, tout le chemin que nous avons essayé de prendre route, il faut la dérouter qui est en barricade. Il y a des zones que nous avons passées, côté que mon hôtel même a volé sous machine. Jusqu'à ce que nous devions arriver vers Saint-Roch, côté que quelques monde qui étaient autour de cette machine et qui connaissent la zone, mais on ne peut plus tout. Mais rapidement, quand même, pour nous expliquer ce qui s'est passé. Je dis, mais pas de problème, nous tirons les talons, nous-mêmes nous l'avons campé pour nous bloquer derrière. C'est pas de problème. Ça veut dire permettre que nous ayons gagné quelques minutes d'avance sous nos tours qui t'a suivi sans cesse.
Et sans le temps, nous descendons vers Wilderfoy. Parce que c'était Wilson ça seulement qui était gagné, qui n'a pas de coup. Nous pas bien en tout le issu que pour nous la machine dans la rivière. N'a coup de machine dans deux rivières. 45 minutes à chercher, évacuer, 45 minutes à chercher, sauver la vie. Jusqu'à ce que, à 2h, dans le droit, nous venons atterrir la boule. Là, nous arrivons la boule, nous rencontrons ensemble avec un patrouille, un backup, c'était backup Thomasin. Nous passons 10 minutes et 20 secondes pour expliquer tout ce qui s'est passé. Et tout le monde était d'accord qu'il faut que nous accompagnions de ça pour mener nous dans le commissariat Thomasin 25. Nous arrivons dans Thomasin 25, jour après-midi, ça à 3h de l'après-midi, pour que nous sommes capables de constater là, pour que nous sommes capables de faire une déclaration de ce qui s'est passé. De Thomasin 25 étant chauffeur moto, population de zone là, t'es venu assiéger le commissariat, a créé un petit panique. Et le là étant, moi pensé que nous tous qui l'a assez bien aimé de qui ça qui était passé en après. Cap, t'es à bord, yon véhicule qui c'est un pick-up blindé de couleur blanche, vite teinté. Côté que tu as gagné une plaque devant, mais derrière, plaque n'a pas la position que plaque généralement connue. Il t'a circulé à vive allure dans la zone mise au temps, hein, une patrouille qui affectait dans le carrefour. Côté que ça a attiré l'attention aux policiers. Le fait que, à vitesse que tu as circulé, hein, ça a attiré l'attention aux policiers. Côté que tu as couru des machines hein, et tu as campé en côté, côté que tu as fait aux exigences, tu as passé instruction pour que. À plusieurs reprises pour descendre machine ou bien pour descendre vitio, mais comme généralement les vitio blindés pas qu'à descendre et ils ont été refusés. Au lieu que ils ont été coopérés, c'est couru ou couru, nous connaissons tout côté au passé, côté que y aller arriver au niveau de Thomasin, côté que population était pratiquement négoto justement qui était dans un cafouillot, qui est parti de eux et côté que l'arrivée au niveau Thomasin, population a pratiquement envahi le commissariat de Yowa. Ça, à travers la radio, ça a été demandé pour le directeur départemental de l'Ouest, pour rapidement, lui-même, les prendre moto, pour aller essayer de résoudre le problème. Mais maintenant, ce n'est pas parce que son petit homme qui est connu qui fait que il y a un comportement ça. C'est quel que soit le monde qui t'a trouvé dans une situation pareille. Et ça a été capable de provoquer. Et avec la population qui en colère, qui est victime de kidnapping, d'enlèvement, de séquestration, l'on fait ça rapidement, Mounio dit que c'est un kidnapping. Heureusement, pas de monde qui mourit, mais par contre, avec présence population hein, qui était pratiquement en colère, il y a un journaliste qui est blessé, il y a tout responsable commissariat qui est touché, et il y a tout l'autre incident. À savoir, yon pick-up, yon machine police qui endommagé. Mais l'information, pas de gagner ça qui vient pour à kidnapping. Rapidement, police au niveau Thomasin, transféré monsieur au niveau de CPJ. Côté que de CPJ tendait, et rapidement, de CPJ informé parquet, et parquet lui-même, bah, on ordre de liberté avec. 4 mounsa yo. Bilan partiel de journée de grève. N'a dit que la police te prend des dispositions avant, pendant et après pour être capable présent à travers les rues et tout côté tout que grève l'ont été amené. Mais gagné et malheureusement et grand véhicule et de police qui est endommagé au niveau Port-au-Prince. Nous constater tout enregistré tout jet de pierre. Et caoutchouc boulé, tout ça. Mais il y a deux interpellations qui faites dans le cadre de journée ça pour trouble à l'ordre public au niveau commissariat
de Port-au-Prince. Il y a tout deux zones qui étaient bloquées, côté que la police est arrivée débloquée au niveau d'Elma, jusqu'à arriver à Carrefour Aviation. Et la police était pratiquement en contrôle zone ça. À savoir pour une situation qui était développée au niveau AKR, tu as gagné une barricade, côté que à plusieurs reprises, à trois reprises, la police t'a ouvert espace-temps pour permettre que la circulation capable fluide. Mais tu as gagné échange de tir, côté que bon policier qui lui-même t'est blessé par balle, pour le moment la prend soin à l'hôpital. Et suite à l'incident ça, gagné en présence policière qui est arrivé dans la zone ça et côté que tu es venu échanger des tirs. Pour le moment, on a obtenu un rapport de police là, pour nous connaître que si pas de monde qui est victime, mais j'en dis pour le moment, comme nous avons un bilan partiel, pour que nous connaissions exactement ce qui passait et rapport final là. Concernant l'incident qui est passé dans la soirée au niveau Chanmas, côté que après, tu as gagné un DJ qui t'a créé animation dans dimanche, dans le deuxième dimanche pré-carnaval là. Côté que la police t'a informé ces quelques policiers en civil pardon, qui t'a provoqué des tirs et côté que t'a créé une panique au niveau Champ Mars. Et n'a dit au commandement, lui encore une fois en mode de mobilisation pour que lui capable d'abord créer plus de présence au niveau zone métropolitaine et tout l'autre côté au niveau département de manière pour que le capable remplir mission qui se garantit l'ordre public et la sécurité publique. Comme dernier point, c'est arrestation Sylvain Pierre. Alors Sylvain Pierre, monsieur fait partie d'un gang puissant qui a évolué dans zone Pilate, dans zone nord là. Côté que monsieur impliqué déjà dans deux lambeaux et côté que a assassiné Eliker Genelus, Nerval Getelus le 15 novembre 2019. Et blessé par balle Alain Genelus. Monsieur lui-même a caché son domaine. Et côté que Interpol l'a caché son domaine pendant l'année 2020. Et côté que Interpol, la police de domaine, pardon, arrivé interpeller monsieur le 25 janvier 2021 et remettre à la police judiciaire. Pour le moment, Sylvain Pierre, qui lui-même a un mandat derrière lui, lui au niveau de CPJ et nous allons transférer dossier au niveau Grand Nord. TCA, ingénieur Nader Joaciris, visité une fois encore ton son route Kafoujof en Safolea. C'est toujours dans l'idée pour continuer à garder comment travail avancé sous ton son ça. Ministre Nader Joaciris, qui te gagne avec le directeur TPTC la Tibonite, là, au Divin Blondo, visité plusieurs dalo et bis cap construit dans la zone d'éviation. Si on traverse et busé, avec des bus 36 ou 42 42 et qu'à prendre l'eau pour pas de problème. L'avantage, ça a gagné que dans l'eau. Et ouais, au fin de fouiller, ils ont fait mise en place. Il y a colmaté lui et puis depuis au fin de faire colmatage, ils ont rempli lui et 30 minutes après, il est compacté et puis la machine a passé sous lui. Donc, nous avons fait deux ou trois traversées comme ça parce que la route est qu'il faut pas de paix à pas cramper. Et rénovation pour le principal crampé et pas aucun travail pour crampé. Et avant 7 février 2022, tout ça nous dit n'a pas on a fait. Même détermination et de jour en jour, on a augmenté vitesse pour nous être capable d'arriver à date ça, c'est remettre route ça avant 7 février 2022. Côté qui n'a pas trop excès de côté de l'eau par pile, nous passons ligne bisou. Là, nous exactement du côté de Dubédou et si métier n'est pas trop loin nous là, et pas vraiment grand pile traverser de là qui fait c'est avec bise nous fait. Et il y a des côtés, nous faisons bise 42, il y a des côtés, nous faisons bise 60, ça va dépendre des débits d'eau qui a venu. Dans la zone bassin blé, élargissement et terrassement a continué grâce à technicien TPTC qui a travaillé la journée, coulant nuit. Dans l'entrée ville Port de Paix, il y a un pile avancé qui fait espace pour mettre estatique après la mort presque prêt. Préparation pour mettre asphalte déjà faite. On n'a pas avancé dans le travail. Ouais, et l'édifice qui a érigé pour mettre statue, ouais, ils sont censés assurer la fine coulée. Et giratoire la fine coulée, c'est et artiste qui a travaillé. Moi, je confie encore et le circuit carnaval a fini. Bien que il y ait 3 jours là, la pluie par exemple, c'est tombé
dans le port de paix, dans la ville notamment. Et donc malgré tout, l'ingénieur là a fait effort. Et Richard et Brisson, côté et carnaval la viré, bah, en pile problème, mais il n'y a pas avancé la donne. Et d'ici demain, Angelo m'a carnaval a fini. Et je crois qu'il y a travail. Et puis Dorimon Dorima là. Et moi crois qu'il y a pris les pour le grand temps. Et mettre couille de bazar et couche de roulement. Mais non, t'es pour une préaction. La pire pas MCC, il y a bien corrigé la ça pour commencer et grave bitume. Il est vrai que nous prenons 3 jours la pluie, qui bande pratiquement 3 jours de temps, mais nous continuons à avancer pour que si le carnaval la fin prêt, pour que nous accueillions tout le carnaval d'ici 14 février pour danser carnaval. Avenir toi arrivé à Richard Brisson, puis Foladan, il est déjà asphalté. C'est dans la zone ça, il défile carnaval là, à dérouler. Dans Richard Brisson. Donc c'est là que Chayo a viré pour aller sur le champ d'aviation. Donc moi, il est très très avancé. Nous avons un petit sol qui a un petit problème là. Je vais me garantir que dimanche, le carnaval va finir. Et le problème, là, c'est que quand l'eau va entrer dans le sol, il faut que le carnaval soit fini pour envoyer de l'eau dans le carnaval. Donc moi, je souhaite qu'il finisse effectivement dimanche. Qu'on y a, après ça, il y a eu pour rembler, finir rembler et boulevard Trois-Rivières là. Et que moi, presque est sécurisé bon. Population exprimé contentement pour travail administration président Jovenel Moïse a réalisé sous route là, à Andanville Port de Paix. Il a encouragé l'organisation carnaval là. C'est le plus bel travail que Jovenel fait pour nous parce que les petits de ma soute l'école, de ma soute l'école, c'est. Depuis que la pluie, je tire sous le pied, tout va net. Je finis où tout se fait pour alors qu'on a un peu ça pour le faire. Carnaval là, bon, ben, je connais la télévision et je me suis éclair. En cas de Jovenel. Ben, je ne suis pas espéré, je me suis revivre. C'est plus belle bagaille, monsieur, qui a fait pour nous la bonne carnaval là pour le faire. Bon, je ne suis pas espéré à ça. Auparavant, moi-même, c'était un monde qui était frustré en pile. En tant que petit port de paix, parce que moi, un port de paix, pas de quoi, je ne bénéficie à rien. Mais, les moi, j'ai gagné une série de travail qu'a fait dans la ville là. Je dis que je ne suis pas en opposition encore. Je suis démissionné. Boulevard bien crampé, non bien sens. Tout le monde qui est entré, étranger qui est entré dans le pays, a dit qu'il y a un bel barrage. Qui président qui fait ça hein? Depuis 1804, mes amis. Hein? Quelqu'un m'a pillé nous. En tant que petit malheureux, petit malheureux. Parents, nous, famille, nous. C'est un chabot qu'on a vendu pour faire éducation nous. Mais, dans le moment où nous venons améliorer qu'on y a. Nous ne pouvons pas son président, pourquoi j'aime mon président qui fait ça dans la ville ça. Et c'est Jovenel, pas un sénateur, pas un député, pas un magistrat qui fait ça. Responsable dit, il est déterminé pour finir avec le travail ça qui est entré dans le cadre de la promesse campagne, président Jovenel Moïse. Compliqué. Et qui m'a demandé, parce que nous faisons partie quand même de société, qui m'a demandé justement que dans la société haïtienne, nous jouons gens pour nous. Enfin. Un pays normal pour que l'éducation soit faite convenablement là-dedans. Donc c'est comme ça que je comprends une conjoncture. La conjoncture, ça, qu'on y a particulièrement libre et problème, mais avant, pas oublier que nous sommes sortis dans plusieurs années d'instabilité, nous sortis dans des problèmes qui sont liés avec question de Covid. Donc, chaque fois, ils mettaient nous en retard et chaque fois, ils avaient des difficultés dans l'enseignement parce que nous étions obligés de faire une adaptation après Covid là pour nous être capables vraiment, comme d'accord dit, remplacer l'heure de cours que nous avons perdu pendant la période. Ça n'a pas oublié tout que nous avons des problèmes politiques en vain qui étaient un petit très affecté l'école là. Donc, c'est compliqué. Pour éducateurs, pour parents et pour timounio. Donc ça demande des autorités, nous demande justement sécurité pour que l'école soit capable de fonctionner convenablement. Nous protester contre toute violence qui a faite contre timoun, contre grand monde, et contre l'angoisse que les parents ont vivre, les avoués timounio dans des établissements scolaires chaque jour. Nous demandons justement que la responsabilité prend, côté plus haut prend. De manière à permettre justement le fonctionnement de l'école.
Daniel m'a dit que c'est pas parce que nous avons essayé de défendre un groupe, nous avons essayé de défendre un parti dans la société, nous faisons partie de la société, nous concernés par ce qui a passé, nous concernés par tout problème, nous avons une opinion sur le problème, tout, mais nous pensons que l'éducation lui-même est louée un bagage que pour nous tous protéger. Merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec la chaîne. Et toujours songez pour activer la cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.